Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Julian Nagelsmann, ancien coach du Bayern. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est la première partie. Alors, Julian Nagelsmann est contacté par le PSG. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Franchement, moi, je vois un peu Nagelsmann un peu comme un entraîneur inexpérimenté parce qu'il n'a rien gagné, les gars. Il n'a rien gagné. Quand il était à Leipzig, c'était un entraîneur prometteur. Ainsi, le Bayern l'a pris, il a gagné, je pense, le championnat. Mais après le championnat, il n'a plus rien gagné vraiment de majeur. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un coach qui tu peux compter. Sachant que le PSG, c'est un vestiaire très compliqué, les gars. Très compliqué. Pour moi, pour gérer le vestiaire du PSG, il faut un mec comme José Mourinho ou bien Conte ou bien Klopp. Guardiola, je n'en parle pas parce que Guardiola ne peut pas venir. Guardiola ne peut pas venir. Donc, il faut un mec comme José Mourinho, Klopp ou Antonio Conte. Sinon, franchement, c'est que dalle, c'est vraiment mort. Parce que le PSG, c'est un vestiaire très compliqué. Donc, la piste Nagelsmann, franchement, c'est une piste que moi, je ne sens pas trop cette piste. Ça ne me rassure pas trop parce que je sais comment ça va finir. Il faut un coach qui a de la personnalité. Certes, Nagelsmann a de la personnalité, mais il n'a vraiment pas gagné en tant qu'entraîneur. En dehors de l'entrée de Bundesliga avec le Bayern, je pense que ça sera un peu compliqué pour lui.